le 1er mai, comme dans la plupart des pays au monde, à Maurice, nous marque la fête du travail. Cette année-là, c'est sous contrainte Covid, encore une fois, qui l'Alliance Mauricienne, donc les quatre composantes de l'Alliance au gouvernement, le MSM, la plateforme militante, le mouvement patriote mauricien et mouvement libérataire, finissent tenir pour saluer la mémoire de quatre personnalités importantes ce jour du 1er mai. D'abord, à Port-Louis, nous finissons recueillir à nous devant statue sous Béobisson Loyal, qui finit une de bonnes plus grandes figures de la lutte pour l'indépendance et pour la décolonisation de nos pays. Ensuite, nous finissons ensemble ici dans le cimetière Saint-Jean pour saluer d'abord la mémoire d'Emmanuel Antille, le père du syndicalisme mauricien, qui finit permettre la classe travailleuse émerger comme une la force organisée au niveau national. Ensuite, Guy Rosemont, président du Parti travailliste dans une année cruciale de l'après-guerre, et surtout lui-même, un travailleur qui assume la présidence du Parti travailliste et qui est la figure emblématique du Parti travailliste. Donc, ça dédie moun là, c'est la lutte travaillère durant le 20e siècle. Et finalement, nous allons saluer un symbole de la lutte militante. Azor Adélaïde, lui-même un ancien docker, qui, en octobre 1971, tombait sous une balle de la répression. Et Azor Adélaïde, pas de faire violence. Azor Adélaïde, victime de violence. Et depuis cette année-là, pour un militant, il finresse un symbole de courage, un symbole d'engagement militant pour un meilleur immense. Cette année-là, le 1er mai, peut faire dans un contexte bien, bien difficile à travers le monde. La cause, une crise économique qui finit amener d'abord par Covid, mais qui finit aggraver grandement par la guerre dans l'Ukraine. C'est un contexte qui peut faire prix manger avant tout, mais aussi prix l'énergie, pétrole, l'essence, augmenter comme jamais auparavant. Et ça, naturellement, y amène beaucoup de difficultés dans tout pays, plus de difficultés dans un pays pauvre, et dans tout pays, y amène plus beaucoup la souffrance et difficultés pour un travailleur et du côté. Ça, le 1er mai là, il vient l'occasion pour tout un militant, dans le gouvernement, tout un socialiste, tout un qui défend la classe travailleuse et un misère, réaffirme nous l'engagement, nous volonté pour faire tout ce qui est dans nos possibilités, pour protéger le pouvoir d'achat, surtout Bandimoun qui en a moins, pour défendre l'intérêt de Bandimoun plus pauvre, pour qu'à chaque fois, à chaque politique qui nous introduit, nous réfléchissons de quelle manière l'ICAPAV a un impact le moins difficile, le moins défavorable, au contraire, l'impact le plus favorable pour Bandimoun qui au bâtiment. Donc voilà, pour moi, le sens de sa première mêlée dans le contexte de crise économique mondiale, c'est avant tout réaffirme nos solidarités, pas juste en parole, mais dans les faits, dans l'action, avec travailleurs et dignitaires. Merci et bonne fête du travail.